YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster édition console Xbox PS4 sortie aujourd'hui. Donc moi j'ai la version deluxe comme j'ai utilisé. On est sur Planet Coaster, on fait les scénarios et on y va à fond. Merci pour le follow. Bienvenue je dans sais notre pas. Centre de recherche sur les montagnes russes. Merci pour le follow, mais je sais pas du tout. Ici tout ce qu'il vous faut savoir pour concevoir et tester vos créations sans avoir à vous préoccuper des questions financières. Je crois que Cynthia a trouvé une astuce fiscale ou quelque chose de genre. Quoi qu'il en soit, je vous laisse entre les mains d'Eugène. Ses attractions n'ont aucun secret pour lui. Merci, Monsieur Thompson, vous avez tout à fait raison. Pour autant, certaines questions restent un mystère pour moi. Embêtant. Par exemple, ce système, ouais, c'est sûr que... Je sais pas sur quoi tu es, Alfred. Bien. Mais sur Xbox, ce qu'il y a, c'est que tout est mélangé. Moi, j'ai l'édition Deluxe, toi, j'ai tous les DLC et tout. Et du coup, tu te perds, toi. Tu t'es perdu dans le truc, toi. Et en plus, tu fais ce que eux t'obligent de faire. Donc, c'est un peu baisant, quoi. Après, je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je sais pas sur quoi tu es. Moi, je suis sur Xbox. Après, toi, je sais pas. Peut-être que t'es sur PS4. Je sais pas. Moi, je trouve que... Je sais pas. Je sais qu'on peut faire ce que tu fais, c'est multiplier la map par centaines sur PC, mais alors si Xbox et PS4, je sais pas du tout. Vous faites quoi là? Vérifier les notes. C'est ça là, test coaster. Perdu. Vous voyez ces petits visages? Le visage heureux symbolise l'enthousiasme. Pour optimiser. Plus la valeur est élevée, mieux c'est. Mais je sais pas, je vois pas. Honnêtement, je vois pas. Le visage effrayé représente la peur. Les meilleures attractions provoquent des frissons. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça alors que... Le visage maladif correspond à la nausée. Bon après c'est pas mal, c'est un jeu qui est bien quand même parce que ils l'ont fait sur Xbox, ils l'ont fait sur PS4. Est-ce qu'ils vont... Voilà, moi c'est la seule question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont sortir le Planet Zoo ou pas? Je pense pas parce qu'il est trop puissant. Après une fois que t'as atterri trop de monde dans ton parc... Un visage orange correspond à une note correcte. La plupart de vos attractions obtiendront ce genre voilà. d'évaluation. C'est le seul truc que j'ai là en ce moment, c'est que... C'est pour ça que je suis là en ce mode-là. C'est parce qu'en fait, l'autre mode, quand il y a trop de monde, ça bug. Un visage rouge indique une note exécrable, au point que vos visiteurs risquent même d'en être incommodés. Cela revient à vous tirer une balle dans le pied. Alors, comment les notes d'enthousiasme, de peur et de nausée sont-elles calculées? Eh bien, elles dépendent des forces gravitationnelles, ou forces G, ressenties lors des changements de vitesse et de direction. Désélectionnez donc les montagnes russes de test. Il faut faire quoi là? On va monter dedans. Commençons par les rudiments. Toute attraction a besoin d'une station où entrent et sortent les visiteurs. À différents types de montagnes russes, différents moyens de propulsion. Moi, je voulais faire des grands parcs avec ce système. Une fois que le train entame sa descente, il n'y a plus qu'à laisser la gravité et l'inertie prendre le relais jusqu'à l'arrivée. Je sais pas. Franchement, j'espère que pour les Xbox et les PS5 qui vont augmenter parce que ça serait un peu dommage, quoi. C'est un excellent moyen de commencer à générer de l'enthousiasme. Bon encore ça va, ça suit hein, parce que j'ai un écran 4K et les tout, ça suit hein. Des accélérations latérales qui sont source de nausées.
En inclinant les rails dans ses tournants, la force latérale devient verticale, ce qui pousse le passager au fond de son siège. Après, je sais pas, sur PS4, j'ai pas testé. Nettement plus confortable. Je sais pas. À voir. À voir avec tout ce qui vont sortir les DLC et tout. Noël. La succession de Dodan peut générer juste assez d'accélération verticale pour que les passagers aient l'impression de décoller. Cette sensation de légèreté absolue. Parce que nous, Halloween, c'est râpé, mais au moins on peut faire au moins Noël, quoi. D'enthousiasme maximal. Et ça. Est-ce qu'ils vont faire un truc pour Noël exprès? J'espère, quoi. Il aurait dû faire un paramètre où on choisit une limite. Ouais, c'est sûr, mais après, si ta console crame, quoi, bah ouais, c'est ça. Ouais. Intempestif qui provoquerait des sensations de nausée. Tu pleures, quoi. Cela fait beaucoup à tu pleures ta race parce que ta console a cramé, bah après, c'est ta faute, quoi. Pas, vous pourrez toujours sélectionner l'un des repères situés autour des montagnes russes de test. Ces données sont le fruit de nombreuses expériences, voire d'une ou deux régurgitations intempestives. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Par contre, il y a des trucs que tu comprends pas, quoi, tu vois. Par exemple, là, je suis en mode carrière. Ben, si tu comprends rien. Genre moi, je sais pas ce que c'est, un infolube, là. Un infobule ou je sais pas quoi, là. Ah si, il faut cliquer sur les bulles. Ah. Attends, parce que je suis en train de faire autre chose. Il y a personne qui a fait de présentation du jeu encore, hein. Personne, hein. À part nous, les petits streamers sur Twitch et tout. Mais il n'y a pas eu de vidéo YouTube, il n'y a pas eu de mec de... que des Anglais. T'envoyer un mail à Frontière pour leur dire hey, oh, je suis streamer, possible de nous envoyer une clé? Même pas, que dalle. Comme je vous gâte avec ces informations ultra détaillées. Bien, une fois que vous aurez tout assimilé, fermez cette fenêtre et nous pourrons continuer. Voilà qui conclut la partie non interactive de ma présentation, ce qui vous vaut une étoile de... Après, c'est bien parce que tu peux quand même faire comme sur les parties PC. Tu peux faire une partie où les gens ils peuvent pas y aller, toi. Tu peux faire une partie staging, toi. Les personnages, les gens, ils peuvent pas aller. À présent, si vous voulez bien vous donner la peine de gagner la zone mise en évidence... Il y a que tes mecs, tu vois, les petites barrières rouges, là, bah ça, tu peux les mettre dedans, toi. Vous allez enfin pouvoir mettre les mains dans le cambouis, au sens figuré bien sûr, et construire vos propres montagnes russes. Je vous conseille de commencer par copier le modèle de test. Il est simple, certes, mais très efficace. Après, c'est vrai qu'il t'aide beaucoup quand même. Commencez par accéder au sélecteur de montagnes russes et choisissez une attraction. Maintenant que la station est placée, vous pouvez créer votre circuit en posant les rails un par un. Commencez par placer une section montante à crémaillère s'élevant dans les airs, puis choisissez des tronçons de rails standards et revenez jusqu'à la station. Les paramètres proposent de nombreuses autres options intéressantes, mais je ne voudrais surtout pas vous gâcher la surprise! Sans compter qu'après ce quart d'heure de travail intense, j'ai droit à ma tasse de thé syndicale.
Oh, c'est pas simple, hein. Après, je vais remettre mon clavier souris parce que c'est pas simple, hein. Oh là 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 là, oh là là, oh là là, la cam qui se barre, oh là là, oh là là. C'est de la merde, ça. Non, on peut... Pourquoi ça monte alors que je demande pas que ça monte? Casse-couille. Non mais... Vous avez terminé votre premier circuit. Permettez-moi d'être le premier à vous féliciter. Oh, ouais, c'est cool. Remettre cette étoile d'argent.
Après tous ces efforts, il est grand temps de tester et d'évaluer votre attraction. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous familiariser avec les outils qui vous permettront d'analyser ses performances. Sélectionnez l'onglet « Test » de vos nouvelles montagnes russes. Cet onglet permet non seulement de procéder au test, mais aussi de consulter trois catégories de valeurs absolument essentielles. Les données en temps réel, les résultats et les échelles. Les données en temps réel permettent d'évaluer l'attraction au fur et à mesure de la progression du train, grâce à un code couleur très pratique. Je crois qu'il va y avoir assez de puissance là. Oui. Thank you.
Élève-moi cette caméra de merde là. C'est pas mal, pas mal, pas mal. Ok, alors cette puissance. Cette puissance.
C'est de la merde, ça. D'où je t'ai demandé de monter?
Ah merde. C'est de la merde. Les résultats regorgent d'informations pertinentes et relatives à l'ensemble de l'expérience. C'est passionnant. Les échelles permettent de juxtaposer ces informations sur le circuit, ce qui vous aide à localiser tout problème éventuel. À vous de choisir les informations à afficher. Très bien. N'hésitez pas à procéder au test quand vous voudrez. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez interrompre et reprendre le test à tout moment. Plus incroyable encore, vous pouvez modifier le circuit à la volée. Imaginez un peu la tête du passager qui verrait les rails se modifier ainsi. Oh, et n'oubliez pas que les échelles peuvent afficher au choix l'enthousiasme, E, la peur, P, la nausée, N, ou les accélérations ressenties. Hélas, le train n'a pas réussi à faire un tour complet. Assurez-vous que votre première descente suffise à générer un élan qui amènera vos passagers jusqu'à la station. Il se peut aussi que vous ayez à modifier d'autres aspects de vos plans. Normalement, c'est bon. C'est un train qui ne va pas rester propre bien longtemps. Tous à bord et videz vos estomacs.
La note de nausée est à vomir, dites-moi. Tâchez d'éviter les changements de direction soudains à grande vitesse et pensez à incliner les rails dans les virages. Il faut neutraliser ces accélérations latérales ou c'est le haut le cœur assuré. Ouais, je vois pas là. Poum, poum, poum. Bon, j'adore les attractions les plus vertigineuses, mais là, vous exagérez. Vos descentes et vos virages ne devraient pas être si abruptes. Ajoutez donc quelques sections plus douces, que les passagers aient le temps de souffler un peu. Il joue. Ouais, il est dans la montée. Il monte, il monte, il monte. Il monte. Il a combien? Attends, c'est que le train il est cassé. Normalement ça passe. Mais dépêche à descendre, qu'on te fasse réapparaître. Ils ont pas que deux wagonnets. Hein. Voilà. Si, il y en a que deux. Ouais.
Si vous comptiez créer un parcours soporifique, bravo. Il est idéal pour piquer un bon pion. Allons, secouez-moi tout ça. Il nous faut plus de vitesse, plus de virages et des passages en apesanteur. Tout le monde adore ces frissons. Hélas, le train n'a pas réussi à faire un tour complet. Assurez-vous que votre première descente suffise à générer un élan qui amènera vos passagers jusqu'à la station. Il se peut aussi que vous ayez à modifier d'autres aspects de vos plans. Ah bah oui, mais je l'ai supprimé. Comme un con. Ah putain, faut que je commence tout. Oh, quel con!
Mais ça ira plus vite vu que je sais maintenant. Pam 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 pam. Bienvenue dans notre centre de recherche sur les montagnes russes. Vous apprendrez ici tout ce qu'il vous faut savoir pour concevoir et tester vos créations sans avoir à vous préoccuper des questions financières. Je crois que Cynthia a trouvé une astuce fiscale ou quelque chose de genre. Quoi qu'il en soit, je vous laisse entre les mains d'Eugène. Ses attractions n'ont aucun secret pour lui. Merci, Monsieur Thompson. Vous avez tout à fait raison. Pour autant, certaines questions restent un mystère pour moi. L'amour, par exemple. Bien. Lorsqu'un visiteur utilise l'une de vos attractions, son expérience dépend de l'enthousiasme, la peur et la nausée qu'elle suscite en lui. Les valeurs correspondantes s'affichent dans l'onglet « Test ». Voyez ces petits visages. Le visage heureux symbolise l'enthousiasme. Plus la valeur est élevée, mieux c'est. Le visage effrayé représente la peur. Les meilleures attractions provoquent des frissons, mais pas une peur bleue. Le visage maladif correspond à la nausée. Vomir n'a rien de plaisant. Mieux vaut que cette note reste la plus basse possible. J'ai faim. Vous pouvez évaluer la situation d'un coup d'œil. Un visage vert est la marque d'une excellente note, ce qui rejaillit sur le prestige de l'attraction. Un visage orange correspond à une note correcte. La plupart de vos attractions obtiendront ce genre d'évaluation et leur prestige sera inférieur. Un visage rouge indique une note exécrable, au point que vos visiteurs risquent même d'en être incommodés. Cela revient à vous tirer une balle dans le pied. Alors, comment les notes d'enthousiasme, de peur et de nausée sont-elles calculées? Eh bien, elles dépendent des forces gravitationnelles, ou forces G, ressenties lors des changements de vitesse et de direction. Désélectionnez donc les montagnes russes de test.
Pardon, j'avais faim. Alors? Commençons par les rudiments. Toute attraction a besoin d'une station où entrent et sortent les visiteurs. À différents On types peut de pas placer matériaux, ça. différents moyens de propulsion. Le système le plus répandu utilise une section montante à crémaillère. Une fois que le train entame sa descente, il n'y a plus qu'à laisser la gravité et l'inertie prendre le relais jusqu'à l'arrivée. Le train atteint généralement sa vitesse maximale lors de la première descente. C'est un excellent moyen de commencer à générer de l'enthousiasme. Les virages provoquent des accélérations latérales qui sont source de nausées. En inclinant les rails dans ces tournants, la force latérale devient verticale, ce qui pousse le passager au fond de son siège et rend l'expérience nettement plus confortable. Une succession de dodanes peut générer juste assez d'accélération verticale pour que les passagers aient l'impression de décoller. Cette sensation de légèreté absolue, appelée apesanteur, est source d'enthousiasme maximal et s'accompagne de la dose idéale de peur. Le circuit se termine lorsque les rails atteignent l'autre côté de la station. Le train doit avoir pris assez de vitesse pour arriver jusque-là, mais il faut aussi éviter tout freinage intempestif qui provoquerait des sensations de nausée. Cela fait beaucoup à assimiler en une fois, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours sélectionner l'un des repères situés autour des montagnes russes de test. Ces données sont le fruit de nombreuses expériences, voire d'une ou deux régurgitations intempestives. Ah, comme je vous gâte avec ces informations ultra détaillées. Bien, une fois que vous aurez tout assimilé, fermez cette fenêtre et nous pourrons continuer. Voilà qui conclut la partie non interactive de ma présentation, ce qui vous vaut une étoile de bronze. Bravo! À présent, si vous voulez bien vous donner la peine de gagner la zone mise en évidence... Vous allez enfin pouvoir mettre les mains dans le cambouis, au sens figuré bien sûr, et construire vos propres montagnes russes. Je vous conseille de commencer par copier le modèle de test. Il est simple, certes, mais très efficace. Commencez par accéder au sélecteur de montagnes russes et choisissez une attraction. Heureusement pour vous, l'un de ces modèles est tout à fait adapté à notre exercice. Maintenant que la station est placée, vous pouvez créer votre circuit en posant les rails un par un. Commencez par placer une section montante à crémaillère s'élevant dans les airs, puis choisissez des tronçons de rails standards et revenez jusqu'à la station. Les paramètres proposent de nombreuses autres options intéressantes, mais je ne voudrais surtout pas vous gâcher la surprise. Sans compter qu'après ce quart d'heure de travail intense, j'ai droit à ma tasse de thé syndical.
terminé votre premier circuit. Permettez-moi d'être le premier à vous féliciter. Oh, et de vous remettre cette étoile d'argent. Après tous ces efforts, il est grand temps de tester et d'évaluer votre attraction. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous familiariser avec les outils qui vous permettront d'analyser ses performances. Sélectionnez l'onglet « Test » de vos nouvelles montagnes russes. Cet onglet permet non seulement de procéder au test, mais aussi de consulter trois catégories de valeurs absolument essentielles. Les données en temps réel, les résultats et les échelles. Les données en temps réel permettent d'évaluer l'attraction au fur et à mesure de la progression du train, grâce à un code couleur très pratique. Les résultats regorgent d'informations pertinentes et relatives à l'ensemble de l'expérience. C'est passionnant. Les échelles permettent de juxtaposer ces informations sur le circuit, ce qui vous aide à localiser tout problème éventuel. À vous de choisir les informations à afficher. Très bien! N'hésitez pas à procéder au test quand vous voudrez. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez interrompre et reprendre le test à tout moment. Plus incroyable encore, vous pouvez modifier le circuit à la volée. Imaginez un peu la tête du passager qui verrait les rails se modifier ainsi. Oh, et n'oubliez pas que les échelles peuvent afficher au choix l'enthousiasme, E, la peur, P, la nausée, N, ou les accélérations ressenties. Non. Non, bah tant pis. Vas-y, on fera ça demain. Tant pis. Putain. Thank you.
Oh, voyons voir ça. Ce que ça donne. Ah, il n'y a pas cette puissance. Le train n'a pas réussi à faire un tour complet. Assurez-vous que votre première descente suffise à générer un élan qui amènera vos passagers jusqu'à la station. Il se peut aussi que vous ayez à modifier d'autres aspects de vos plans. Le train n'a pas réussi à faire un tour complet. Assurez-vous que votre première descente suffise à générer un élan qui amènera vos passagers jusqu'à la station. Il se peut aussi que vous ayez à modifier d'autres aspects de vos plans.
Ah, ça gratte. Ça mire. Le train n'a pas réussi à faire un tour complet. Assurez-vous que votre première descente suffise à générer un élan qui amènera vos passagers jusqu'à la station. Il se peut aussi que vous ayez à modifier d'autres aspects de vos plans. Hélas, le train n'a pas réussi à faire un tour complet. Assurez-vous que votre... L'accélération ne passe pas.
On va le casser. On va le faire casser là, parce qu'il est plus entier. Ça c'est de la merde aussi, hein. Il en manque. Il manque un bout. Ah, pourtant il serait bon. Ça passe. Ben c'est là, mais l'autre. Pourquoi ça passe pas? C'est vrai que ça. Thank you.
Ça, c'est de la merde, hein. Pourquoi ça passe plus maintenant? Hélas, le train n'a pas réussi à faire un tour complet. Assurez-vous que votre première descente suffise à générer un élan qui amènera vos passagers jusqu'à la station. KTMS, KTMS. Il se peut aussi que vous ayez à modifier d'autres aspects de vos plans. Hélas, le train n'a pas réussi à faire un tour complet. Assurez-vous que votre première descente suffise à générer un élan qui amènera vos passagers jusqu'à la station. Il se peut aussi que vous ayez à modifier d'autres aspects de vos plans. C'est comme ça.
Ça marche pas, ça.
avez l'étoffe des plus grands créateurs de montagnes russes, je le sens. Plus vos notes EPN sont élevées, plus le prestige de votre attraction s'en ressent et plus les visiteurs seront prêts à mettre la main à la poche. Mais n'oublions pas que d'autres éléments ont un impact non négligeable. Par exemple, un circuit long sera plus prestigieux qu'un tracé plus court. Et vous pouvez aussi soigner votre décor en plaçant de nombreux éléments le long du parcours et de la file d'attente. Oh, ma gorge se noue toujours au moment de conclure une présentation. L'émotion d'avoir transmis mon savoir, vous comprenez? Bon, eh bien, on se reverra dans le prochain parc. Bon, allez, les gens, on va continuer la carrière. Même si on a galéré sur ce niveau. Je suis désolé, même si la vidéo dépasse un peu, c'est pas grave. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et comme d'habitude, checker la description. Vous me retrouvez en live tous les jours. Et prochain épisode, eh ben on en aura un nouveau. On se retrouvera dans un prochain épisode. Donc les trésors du capitaine enfoui. On aura 3 let's play en plus. Donc sur ce, vous faites un gros bisou. Je vous dis ciao ciao. Bon, enfin, journée à tous. Et n'hésitez pas, en live tous les jours. Checkez la description et venez follow Twitch.